Au Bénin, et précisément à Glo, il est installé une ferme école dont la principale vision est de former et d'aider à installer des jeunes à des pratiques agricoles intégrées et durables. Cette école, qui est dans sa deuxième année d'existence, propose à ses apprenants une formation professionnelle axée sur la pratique et les réalités locales. Nous avons trois grandes filières, la production animale, la production végétale et la transformation. Dans la production animale, nous avons l'aviculture, c'est-à-dire divers types de volailles. Nous avons la cuniculture, c'est-à-dire l'élevage de lapins, la porciculture, l'élevage des porcs. Nous avons les lessiculture, l'élevage des escargots, la pisciculture. Donc ici, les étudiants ont la chance de recevoir les cours théoriques et pratiques à la fois. Tout se passe en théorie et en pratique. Nous avons dans la production végétale, le maraîchage et les grands champs. Les grands champs, c'est-à-dire les céréales, le maïs, le sorgho, le mil, comment il faut faire ces productions. Voilà. Pour la transformation, nous avons les purées de tomates, les savons et d'autres produits agroalimentaires et essentiellement les jus de fruits qui se transforment ici. Ce jour, la ferme remet à 10 apprenants de la deuxième promotion leur attestation de fin de formation. Ces stagiaires qui vivent sur place ont été encadrés par des enseignants pour la plupart des jeunes qui ont choisi de s'orienter vers la production agricole après leur formation. Nous allons finir avec la dixième personne, Monsieur Nikwe Ulrich. Merci, merci Monsieur Ulrich. Merci Monsieur Ulrich. En tant que natif et chef d'arrondissement de Yokpor, je dirais que je suis très content, très fier, très heureux de l'initiative. J'encourage le promoteur, les enseignants qui sont ici. Je dis félicitations aux récipiendaires. Je dirais d'abord que c'est un centre qui a le soutien total du conseil communal de Zé. Et en sa tête, le président, son excellence, monsieur le maire, Alaa Diamandé Moussa. Donc le centre a le soutien 100% total de la commune, des autorités locales et à divers niveaux. Nous, en tant qu'autorité, nous avons le devoir de soutenir le projet. N'oubliez pas que notre pays est essentiellement agricole et qu'un projet de cette envergure qui voit le jour ne peut qu'être soutenu. Je vais d'ici à là m'approcher de lui pour avoir quand même savoir encore les difficultés, voir ce qu'on peut apporter comme soutien. Tout ce qui vient de se passer ici, là, nous allons faire un compte rendu succinct au maire qui déjà va faire de ce dossier son leitmotiv parce que nous sommes dans une commune également essentiellement agricole. Il n'y a pas d'usine dans notre commune, donc la promotion du genre, il faut la soutenir. Je l'encourage vivement à porter ce centre à la connaissance du Bénin. Via les médias, j'entends par là la radio, la télévision, pour que cela se fasse savoir de beaucoup de Béninois. Moi, j'ai été invité par une de mes étudiants qui est apparenté à l'un des honorés avant de découvrir ce à quoi je ne m'attendais pas. Je suis vraiment ravi et j'encourage vraiment le promoteur à passer par les médias pour le faire savoir à beaucoup de jeunes étudiants ayant passé récemment le cap du baccalauréat. La durée de la formation s'étale sur 12 mois, pendant lesquels les stagiaires reçoivent des notions théoriques et pratiques accompagnées. Nous envisageons, même si nous accueillons 1000 étudiants, d'installer tous les 1000. Ce n'est pas de leur trouver du travail, non. Ils ne sont pas employés de d'autres personnes. Mais ils sont plutôt les chefs d'entreprise qui embaucheront d'autres personnes. Puisque le problème, si nous les avons déjà appris le métier, nous les avons appris à entreprendre et nous avons maintenant la capacité de les accompagner financièrement pour qu'ils puissent être installés. Alors si nous ne faisons pas ça et que nous les envoyons travailler sur d'autres fermes, sur des grandes fermes ou ailleurs, c'est qu'ils sont employés. Mais lorsque nous arrivons à créer une entreprise que nous lui revendons à une personne,
lui, il a la possibilité d'embaucher 2, 3, 4, 10 personnes. Donc ça veut dire que lorsque une ferme est installée et qu'il embauche 10 personnes, c'est que nous avons créé 11 emplois. À la fin de leur formation, les jeunes élaborent un projet productif à mettre en œuvre. J'ai un DT en génie électrique. D'accord. Et après le bac, je n'ai pas voulu trop perdre de temps. Voilà. Sinon, je suis électricien ou bien de formation. Parfois, on peut trouver son chemin sans savoir là où ça mène. Donc, je peux dire que, premièrement, j'ai cru pouvoir trouver mon chemin avec l'électricité et tout ça. Mais je sors, je vois que c'est un domaine pas très développé chez nous. Et avoir mes ambitions, tout ça, je ne pouvais pas vraiment réaliser ma vie avec ça. Et voilà pourquoi j'ai décidé de changer de direction. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. De changer de cap comme ça, non, ce n'est pas évident. La difficulté se trouve, je dirais plutôt, dans le fait de délaisser une formation qu'on a passé toute sa vie à faire comme ça et de se lancer dans le vide, au fait. Parce que là, tu as déjà passé tout ton temps à apprendre. Tu te dis que, bon, avec ça, tu peux te garantir un avenir meilleur. Mais là, tu bascules ou tu tombes dans un monde où ça n'a pas de rapport du tout avec tout ce que tu as appris. C'est un peu comme si tu laisses tes compétences et tout ça, et puis tu te lances dans le vide. C'est très difficile. À part les compétences agricoles et tout, on m'a appris à développer des idées dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et aujourd'hui, là où je me trouve, je suis avec plein d'idées d'entreprise. Le fonctionnement de la ferme école est simple. Les élèves y sont logés et nourris, et le cadre leur sert en même temps de support pédagogique pour l'enseignement théorique et d'espace d'apprentissage pratique. Les revenus tirés de l'activité agricole sont en partie réinvestis dans l'exploitation et contribuent aussi au financement de la structure pédagogique. C'est que notre centre de formation a une vision. Et la vision, c'est de former et d'installer. Et quand cette première promotion vient de finir, nous allons commencer à les installer dès maintenant. Ils vont tous recevoir des fermes. Chacun avec son lopin de terre, avec le financement qu'il faut pour la construction des bâtiments, pour l'équipement, pour les sujets qu'il faut, s'ils veulent partir en élevage bien sûr, ou les moyens qu'il faut s'ils veulent partir en production végétale. Et donc, c'est ce que nous comptons faire pour nous distinguer de tous les autres centres de formation en Afrique. Pas seulement au Bénin, en Afrique. 2 ans après sa création, la ferme a de nombreuses ambitions. Le métier de l'agriculture est mal considéré. Quand tu es paysan, tu n'es pas considéré. Donc, Agricole Formation prend tous ceux qui sont prêts à faire profession dans l'agriculture, tout jeune. Donc, pour recruter, nous prenons entre 17 ans et 32 ans. Voilà. Et les autres conditions, il faut juste savoir lire, écrire et compter. Voilà les conditions sous lesquelles nous prenons nos élèves qui doivent faire les formations de 12 mois afin de bénéficier du programme de session du centre de formation. Cette première promotion qui vient de finir, nous l'avions fait sous nos propres frais. Ils ont été hébergés, ils ont été nourris et ils ont eu le minimum de soins médicaux quand ils étaient malades, sans rien payer. Nous voulons nous faire connaître et gagner ensuite. Voilà. Et la deuxième promotion qui est là, ils ont aussi payé un prix forfaitaire de 30 000 francs l'année. Mais à partir des prochaines promotions qui vont venir, nous fixons 2 tarifs. Un tarif de 70 000 comme une bourse pour ceux qui vont être admis sous test, et un tarif de 250 000 pour ceux qui ne sont pas admis par le test et qui aimeront le faire. La mise en œuvre de ces ambitions nécessite des moyens. Mais la précarité financière pourrait compromettre la durabilité de l'expérience pédagogique. En effet, l'espace cultivable et les ateliers de petit élevage sur lesquels travaillent les résidents de la ferme sont à peine suffisants pour couvrir leurs besoins élémentaires. Nourriture et frais de santé, sans parler d'un niveau de rémunération indicatif pour les formateurs. Cette première promotion
je vais l'appeler une expérience. Car quand tu démarres une entreprise, ta première année n'est juste qu'une expérience. Et une expérience a forcément des défauts, c'est-à-dire tout qui n'est pas bien fait, et que nous avons fait de notre mieux pour avoir des formateurs de la profession, des formateurs professionnels qui ont donné le meilleur d'eux pour former ces apprenants. Mais nous avons eu des défauts qui révèlent essentiellement des moyens financiers limités. Face à ces différents enjeux, les responsables recherchent à consolider et, si possible, à croître le niveau de l'exploitation. Ils travaillent à renforcer leurs liens de la ferme avec les autres acteurs du développement rural, public et privé. Ils cherchent également à renforcer l'appui aux jeunes agriculteurs. Nous sollicitons le soutien moral, technique, financier de toutes les autorités communales, de toutes les autorités gouvernementales, afin que ce projet que nous avons démarré puisse grandir facilement. Parce que s'ils ne nous accompagnent pas, nous ne pourrons pas vite grandir. Mais s'ils nous aident à grandir, nous allons vite grandir et faire connaître le Bénin. Faire connaître cette initiative qui se passe au Bénin dans tous les autres pays de l'Afrique et du monde. Au Bénin, l'installation des jeunes agriculteurs se heurte toujours aux problèmes essentiels de l'apprentissage du métier, l'accès à la terre, le financement des moyens de production, l'isolement, etc. Le défi du promoteur est donc de former des jeunes qui choisissent de s'installer en agriculture puis de vivre décemment de leur travail. Je demande à tout jeune, que ce soit à Agricole Formation ou que ce soit dans un autre centre de formation, qu'ils prennent au sérieux l'entrepreneuriat. Il le faut, afin de réduire le taux de pauvreté, le taux de chômage. Et lorsque un chef d'entreprise arrive à s'en sortir, il embauche d'autres personnes. Et ça permet à ces jeunes de gagner un salaire et de ne plus avoir l'idée de voler. L'expérience est née en 2019 de l'initiative de Urbain Nudewato, qui a choisi d'embrasser la terre. La ferme école répond donc à son objectif. Son exploitation est installée au sud du Bénin. Les productions de l'exploitation sont soit autoconsommées, soit commercialisées sur le marché local ou régional.